Voici la maman d'Apoussiac. Elle porte son bébé dans le capuchon de sa vareuse. Ce qu'elle a sur la tête est tout simplement son chignon. Tu peux voir que les Esquimaux vivent dans un pays de montagne au bord de la mer. Sur la mer flottent de beaux icebergs, qui sont d'énormes morceaux de glace. À la page suivante, tu verras que ce pays s'appelle le Groenland. Il s'appelait... Apoussiak, le petit flocon de neige. Il était rond, doré et beau. Bien au chaud, dans le dos de sa mère, il dormait. Au réveil, il souriait, tout frais comme un petit flocon, et dans le fond de ses yeux noirs, des étoiles brillaient. Jamais il ne pleurait, tout juste s'il réclamait à boire. Il têtait les yeux fermés et au bout de ses doigts caressait le cou de sa mère. Quand il avait bien bu et que son petit ventre rond chantait de bien-être, il jouait. Il tirait les moustaches des phoques que son père ramenait de la chasse ou tendait ses mains vers la flamme de la lampe. Regarde à la gauche de l'image. Ceci est un phoque. Que le papa d'Apoussiac a tué à la chasse. Ses nageoires sont cousues ensemble pour éviter qu'elles freinent en traînant dans l'eau quand le papa d'Apoussiac le remorque derrière son kayak. Quant à ça, au bas de l'image, c'est une lampe esquimau, avec dedans des morceaux de graisse de phoque qui donnent de l'huile. Puis il s'endormait, souriant aux anges. Aux anges esquimaux, naturellement. Tu vois sur cette image que le matelas d'Apoussiac n'est pas autre chose qu'une belle peau de phoque. À cinq ans, petit flocon de neige mangeait comme un ogre. De toutes ses petites dents, il mordait dans la viande que sa mère lui donnait. Voici un coin de la grande hutte de pierre où toute la famille d'Apoussiac vit en hiver. La maman d'Apoussiak vient de faire cuire de la viande de phoque sur la lampe à l'huile. Apoussiak et sa maman sont accroupis sur une plateforme de bois qui leur sert tantôt de table, tantôt de lit. Au-dessus d'eux, une peau de phoque sèche, tendue sur un cadre. Parfois, elle le laissait avec son couteau à lame ronde couper de la viande de phoque ou d'ours au ras de son nez. Sur cette image, la maman d'Apoussiak est en train de dépecer un phoque pour préparer le dîner. Elle enlève la peau avec son couteau à lame ronde. Il sert à tout ce couteau, à faire les parts de nourriture, à gratter les peaux avant de les tanner, à couper le fil à coudre, etc. Sous la peau du phoque, il y a une épaisse couche de graisse qui servira à faire de l'huile pour les lampes. Remarque aussi le petit récipient de bois. Il est incrusté de petits morceaux d'os taillés en forme de phoque. Puis, dehors, il jouait avec ses frères et sœurs et ses cousins et cousines. Dans la neige, il glissait sur le fond de leur pantalon ou sur une peau de phoque. Quand fatigué par tant d'air frais, il sentait ses yeux plus lourds et plus lourds et encore plus lourds. Bien sagement, il s'endormait sur une peau d'ours en souriant au marchand de sable. Au marchand de sable, esquimaux, évidemment. D'année en année, il grandissait. En été, c'est l'hiver qui l'attendait, et les jeux dans la maison. En hiver, c'est l'été qu'il espérait, et les soleils, et l'eau, dans laquelle il pataugerait, car comme tous les enfants du monde, c'est ce qu'il n'avait pas qu'il désirait. Voici l'intérieur de la hutte dans laquelle Apousiak et sa nombreuse famille vivent en hiver. Elle est construite de pierres et de mottes d'herbe. Dehors, il fait nuit et froid, et la mer est couverte de glace et la terre de neige. Apoussiak, c'est le petit garçon que tu vois de dos et qui fouille dans un seau. Avec un gobelet, il cherche à en retirer de l'eau à boire. Pour avoir de l'eau, les Esquimaux font fondre de la neige à la chaleur de leur maison. Grâce aux lampes à l'huile, il y fait si bon que chacun se met torse nu. Au plafond de la hutte sont accrochés des séchoirs d'où pendent toutes sortes de choses, des bottes et des gants des morceaux de viande, des vêtements. Les zigzags noirs sont des intestins de phoques dans lesquels sèche du sang. Les esquimaux adorent ça. Par terre, sur les dalles qui forment le sol de la hutte, près d'Apoussiac, il y a une poupée esquimaux sans bras ni jambes. Dans les pots et les bassins, sur les tables et par terre, il y a de la viande cuite, de la viande crue, de la graisse de phoque, et toute cette nourriture attire les chiens que la maman d'Apoussiac chasse à coups de pied. À dix ans, Petit Flocon de neige était déjà un grand flocon. Euh, je veux dire, un grand garçon. Grimpé sur la hutte couverte de neige, Apoussiac regarde le traîneau de son papa, qui vient de rentrer de la chasse. Sur le traîneau, il y a un phoque, et sur les montants arrière est enroulé le fouet. Il a plus de cinq mètres de long, dont on se sert pour corriger les chiens désobéissants. Il n'avait plus peur de rien, ni des hommes, ni des chiens. Cette image représente un esquimau qui a mis un masque taillé dans du bois pour effrayer les enfants. Aurais-tu peur, toi, d'un tel masque? En tout cas, les enfants esquimaux en ont généralement peur. Mais Pasapoussiac. Il avait un couteau et même un beau harpon de bois qu'il lançait dans l'eau dans un arc-en-ciel de gouttes. Les Esquimaux ont des harpons de toutes sortes pour chasser le phoque, pour chasser l'ours, de véritables lance-ceux-là, et même des harpons pour chasser les oiseaux. Ce Capoussiac tient dans la main droite c'est un propulseur qui permet de lancer le harpon plus fort et par conséquent plus loin. Il avait même un vrai traîneau, un vrai fouet, un vrai chien, avec lequel il jouait sur la glace. Le traîneau d'Apoussiac a été spécialement construit pour lui par son papa. Quant au fouet, Apoussiac ne s'en sert que pour rire. Pour laisser la place à ses petites sœurs et à ses petits frères, il ne dormait plus près de sa bonne mère. Il dormait près de la fenêtre avec les grands. La maman d'Apoussiac dort avec les deux petits frères et la petite sœur d'Apoussiac dans les bras. Il fait nuit, la lampe est éteinte. Dans le seau, il y a un morceau de glace qui, en fondant, donne de l'eau à boire. Et sur le séchoir, sèchent des bottes et des gants à deux pouces. Quand ils sont usés d'un côté, on peut les retourner de l'autre. Quand il avait bien joué, il racontait à ses sœurs et à ses frères de merveilleuses histoires de chasse. De chasse Esquimaux, bien entendu. Apoussiak est en train de raconter une histoire qu'il a imaginée. Il raconte comment il chasse l'ours blanc rien qu'avec un petit couteau. Cette histoire n'est pas tout à fait fausse. Il y avait autrefois des esquimaux qui chassaient l'ours comme ça. Les ronds dans la patte de l'ours, c'est sa peau. À 20 ans, Petit Flocon de Neige était déjà un homme, un vrai, avec une femme qui l'aimait bien. Et un bébé qu'on avait appelé Apoutiagaïk, le tout petit Flocon de Neige. Le bébé est assis dans l'herbe, car il y a de l'herbe au Groenland en été quand la neige a fondu. Tu peux voir qu'il y pousse aussi des pissenlits le petit tas de baignoires, ce sont des myrtilles. Dans le ciel passe un vol de gros oiseaux, qui s'appellent des Eders. C'est avec le duvet d'Eder que l'on fait des éderdon, autrement dit, Edredon. De ses mains il avait construit un oumiac si grand que toute sa famille pouvait y prendre place. Sur la hutte il y a un traîneau, et sur le traîneau un chien. Sur les rochers, tu vois le kayak d'Apoussiac et aussi les peaux de phoque roulées et les perches qui servent à construire la tente pour l'été. Apoussiac est en train de ranger les avirons dans Loumiac. Loumiac est un grand bateau dont la membrure est en bois et la coque en peau de phoque. Avec toute sa famille, ses garçons et ses filles, ses neveux et ses nièces, ses sacs et ses caisses, il partait l'été venu vers de nouveaux terrains de chasse. Et les voici tous dans l'oumiac, prêts à partir. Tout le monde est content. L'hiver est fini, il n'y a plus de glace sur la mer. Le beau voyage d'été commence. Mais comme Apoussiac ne sait pas encore exactement où il construira sa nouvelle maison pour l'hiver prochain, il amène dans son oumiac tout ce qui lui appartient. Tout à fait à gauche, en bas du dessin, à l'arrière de l'oumiac, un des frères d'Apoussiac tient le gouvernail. Il s'appuie contre un rouleau de peau de phoque qu'Apoussiac ira échanger au comptoir danois contre des chandails de laine, du tissu, du riz ou encore du sucre. À l'autre bout de l'oumiac, il y a des peaux de phoque qui formeront la tente quand Apoussiac décidera de s'établir pour quelques jours. Et lorsque la nuit vient, en cours de route, on vide l'oumiac de tout son contenu. On le retourne et il sert d'abri. À travers les pots qui forment l'Oumiac, vois-tu la lumière de la lampe à l'huile allumée et l'ombre de la femme d'Apoussiac Apoussiac était un fameux chasseur. Son kayak le plus beau, ses harpons les plus solides, ses chiens les plus rapides. Apoussiac est assis dans son kayak il revient de la chasse et ramène un phoque qu'il a harponné. Il est habillé d'un vêtement en peau de phoque. Son harpon est posé à côté de lui. La boule jaune est un flotteur qui empêche le phoque de sauver une fois qu'il est harponné. Devant Apoussiak, il y a un petit trépied sur lequel est enroulée la courroie qui relie le flotteur à la pointe du harpon. Et tout à fait à l'avant du kayak, il y a un écran blanc derrière lequel Apoussiac se cache pour que les animaux qu'il chasse ne le voient pas. Dans ses mains, il tient la pagaie avec laquelle il fait avancer le kayak. Et quand le soir venait, bien fatigué, il s'endormait. Il rêvait à la chasse à l'ours. À l'ours blanc, évidemment. Caché derrière l'écran de tissu blanc monté sur son fusil, Apoussiak attend le bon moment pour tirer. À droite, il y a des corbeaux qui accompagnent toujours les ours. Ils mangent ce que les ours leur laissent. Dans le ciel, tu peux voir cinq soleils. C'est un phénomène qui s'appelle parélie. Le vrai soleil est au milieu. Les quatre autres sont des images qui se forment très rarement et seulement quand l'air a une consistance particulière. L'été suivait l'hiver et l'hiver l'été. Les années passaient. À droite, en bas du dessin, tu vois la tente dans laquelle la famille habite en été. Près de la tente, une chienne donne à tété à deux chiots qui viennent de naître. À gauche, sur une perche, des saumons sèchent. Sous des pierres, près du chien, il y a un phoque que l'on conserve pour l'hiver. Sur le fjord, un grand iceberg est venu s'arrêter, car son pied touche le fond. Il n'y a personne sur ce dessin, parce que tout le monde est allé cueillir des myrtilles de l'autre côté de l'eau. Apoussiac vieillissait et ses enfants grandissaient. Et ici, sur le fjord gelé, car c'est maintenant l'hiver, tu retrouves le même asberg dont un morceau s'est écroulé. À la place des saumons, une peau d'ours sèche. Un des fils d'Apoussiac vient de rentrer de la chasse avec un phoque et Apoussiac le suit. Derrière la hutte, la femme d'Apoussiak fouille dans la réserve de provisions. Le kayak et l'oumiak sont placés sur leur support pour l'hiver. Et sur l'oumiak, hors de la portée des chiens, il y a des morceaux de viande. Et quand, malgré son âge, Apoussiak chassait le narval, ses fils et les fils de ses fils admiraient sa force et sa hardiesse. La chasse au narval est très dangereuse. On le chasse au harpon. Si on le tirait au fusil, le narval tué coulerait aussitôt. À gauche, tu peux voir deux canards sauvages, un mâle que tu reconnais à ses plumes de couleur vive et une femelle toute grise. Dans le ciel, il y a trois soleils cette fois-ci. Te souviens-tu du nom de ce phénomène? À cinquante ans, Petit Flocon de Neige était un vieux monsieur. Il ne chassait plus, mais ses filles, et ses gendres, et ses fils et ses brus s'ingéniaient à lui rendre la vie plus douce et plus belle. Apoussiak est en train de manger. Une de ses filles fouille dans la bassine suspendue à une poutre du toit. C'est dans cette bassine que cuit la viande. Un soir, il s'endormit en souriant comme chaque soir, en souriant à rien. Dans la nuit toute noire, personne ne s'aperçut qu'il était bien content de laisser là et pour longtemps sa vieille carcasse tout usée, avec ses fossettes et son sourire et Plein d'étoiles dans les yeux, il partit au paradis. La belle draperie dans le ciel est une aurore boréale. On ne peut la voir que la nuit et dans des pays très loin au nord, comme le Groenland. C'est magnifique. Tu sais, chaque fois qu'on en envoie une, on reste tout étonné, comme toi, quand tu as vu un arc-en-ciel pour la première fois. Et quand au paradis il arriva, il y retrouva tous les siens, tous ceux qu'il aimait bien, et ceux aussi qu'il aimait moins, ceux qui depuis longtemps l'attendaient, ceux aussi qui avaient eu le temps de l'oublier. Dans le paradis des esquimaux, les esquimaux croient trouver tout ce qu'ils désirent, toujours du beau temps, des tentes confortables et surtout des phoques. Des morses, des ours qui se promènent partout comme des amis. Eux qui sont si difficiles à chasser d'habitude. Et maintenant, petit flocon de neige est heureux, comme on ne peut l'être qu'au paradis. Au paradis des Esquimaux, bien entendu